Le seigneur Barbe Bleue a déjà été marié 7 fois. 7 fois veuf. Ses femmes ont disparu dans des conditions très mystérieuses. Il cherche une 8e épouse. Dans ce but, il a convié tous les seigneurs des environs afin de rencontrer leurs filles. Il les trouve toutes charmantes. Mais la réciproque n'est pas vraie. Quel vieux barbon ! Elles en ont toutes très peur. Heureusement, Barbe Bleue est riche. Très riche. Il possède des sacs pleins d'or. Il possède aussi des cassettes pleines de bijoux. Si Barbe Bleue ne parvient pas à séduire la fille, il a séduit le père. Voici ma fille, Seigneur Barbe Bleue, je vous bénis. Mais il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Hola, tabellion, venez, séant, avec vos écritoires et vos plumes d'oie. Le contrat de mariage est signé par le père et, bien malgré elle, par la fille. Le notaire veut être payé pour ses bons offices, mais Barbe Bleue est un seigneur irascible et très mauvais payeur. La visite des cuisines du château de Barbe Bleue et les préparatifs du repas de noces. Publicité clandestine se glisse devant nous avec le champagne Mercier. Madame, je dois partir pour un très long voyage. Je suis désolée de vous quitter. Je vous confie toutes les clés du château. Vous pourrez aller partout, sauf dans cette pièce qui vous est interdite.
comme il fait sombre dans cette pièce. J'ouvre un volet. Oh, quelle horreur! Et la clé, elle est tombée dans le sang. Cette tache, maudite tache, impossible de l'enlever. Petite sotte, je suis ta marraine et je viens à ton secours, mais qu'as-tu fait? Cette tache indélébile est la marque de ta désobéissance envers Barbe Bleue. Madame, qu'avez-vous fait? Vous m'avez désobéi. Donnez-moi cette clé. Madame, vous allez mourir. Oh, Seigneur Barbe Bleue, laissez-moi quelque temps pour prier. Sœur Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Je ne vois que l'herbe qui verdoie et la route qui poudroie. Ah, j'aperçois deux cavaliers, ce sont nos frères, vite! Les sept femmes de Barbe Bleue ressuscitent. Et elles se marient. Tout est bien qui finit bien.